Aujourd'hui j'ai sorti le bob. Pourquoi? Parce qu'on va trier les highlighters. Et franchement, autant vous dire, je sens que c'est la vidéo dans laquelle je vais avoir le plus de mal. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à ma belle-sœur aujourd'hui. Ah oui, je t'ai pas expliqué. Alors le défi que je me lance quand je... Feels like a dream, cause with you on my team, I'm winning, yeah, nothing's gonna hold me. Première partie de ma sélection solde chez Pretty Little Thing, sachant qu'en ce moment il y a jusqu'à moins 70% sur tout le site, je vous mettrai les liens en sweep up. Donc là je vais vous montrer l'autre partie, je les ai laissées là jusqu'à ce que je vous filme la story pour pouvoir tout ranger. Tenue numéro 1, est-ce qu'on peut parler de ce jean s'il vous plaît? Franchement j'adore la couleur, j'adore la coupe, j'aime beaucoup les ouvertures sur le côté, donc là j'ai mis des boots beige et j'aime trop la combinaison avec ce chemisier, je sais pas si vous le verrez bien mais c'est un genre de beige un petit peu marron, j'adore, franchement je kiffe. En fait c'est une tenue simple, confortable mais quand même élégante et j'adore la coupe du jean, franchement gros coup de cœur, il est super bien coupé et j'aime beaucoup la couleur. Cette robe, trop belle. Trop belle. En fait, c'est une matière un petit peu élastane. Et quand je l'ai reçue, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh non, on va avoir vraiment la cellulite, etc. Mais c'est une texture élastane qui est quand même épaisse. Du coup, ça va galber, ça va sculpter, ça va pas mettre en relief. Parce que là, à ce niveau-là, moi, j'ai de la cellulite ici. Et quand je mets des matières trop fines, en fait, ça se voit directement. Et là, pas du tout. Elle est super belle. Elle est hyper confortable. Vraiment, elle est hyper... élastique en fait, donc tu te sens trop bien et la couleur très jolie, j'adore la fente, voilà, j'aime beaucoup, franchement pas déçue du tout. Et il y a comme un petit effet froufrou mais c'est hyper léger ici au niveau du col. Ah non, je pensais qu'il y en avait aussi au niveau du col. Bah non, il n'y en a pas au niveau du col mais il y en a en bas, je sais pas si vous le verrez. Et ça, ce sont les boots que je vous avais déjà présentés il y a quelques jours, je vous mettrai bien en sweep up si jamais vous voulez. Mais elles sont encore une chemise à carreaux, mais j'adore le top là. Je ne sais pas si vous le verrez, c'est un polo court à manches courtes. Il y est en plusieurs coloris et je le trouve vraiment, vraiment joli et ça passe avec tout. Alors le jean, cette tenue, bon déjà moi j'aime beaucoup la chemise à carreaux comme ça. Et je trouve que ça passe super bien avec les boots, mais pas forcément avec ce jean là parce que je trouve que l'effet retroussé il est too much. Ça ne va pas vraiment ensemble, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouve super bien taillé et j'adore la couleur. Vraiment les jeans Pretty Little Thing, alors ça m'arrive d'avoir des coups de cœur, mais ça m'arrive aussi d'être un petit peu déçue par les jeans en général. Et là pas du tout, franchement je trouve que les deux que j'ai pris c'est un zéro faute. Et franchement je vais vous montrer le bas. On est d'accord à imaginer avec une autre paire de chaussures parce que j'ai l'impression de faire clown. J'ai trop les pieds d'un clown, mais le jean il est trop beau. Imaginez-le avec une petite paire d'escarpins, une petite paire de sandales. Trop beau, mais j'adore cette tenue. J'aime trop la chemise. Je vous le remontre quand même sans bottes. Parce qu'il est vraiment beau et je trouve qu'avec les bottes, ça le gâche. J'aime trop. On dirait une chemise en fait. C'est mi-chemise, mi-sweat et c'est hyper doux à l'intérieur. C'est tout doux, c'est tout chaud. J'adore la couleur, hein, vous me connaissez. Ça paraît pas mais c'est kaki quand même. Avec un jogging hyper doux, hyper confortable, j'adore. Et du coup, des petites bottines chaussettes. C'est le genre de bottines, je vous l'ai dit ça ce week-end, enfin le week-end dernier. Je vous ai dit que ce genre de tenue, j'adore porter ce genre de tenue avec des bottines, mais des bottines qui font un peu chaussettes. Parce que je trouve que ça fait un peu la continuité du jogging, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est ce que je préfère porter en tout cas comme style de bottine dès que je mets des joggings. Et voilà, avec une couleur un peu beige, presque camel, qui s'associe parfaitement bien avec le blanc crème et du coup le vert du top. Franchement, j'aime trop. J'aime trop cette tenue. Dernière tenue! Je vais pas dire ma préférée, mais c'est le genre de tenue que j'adore porter à la maison. Franchement,
Pretty Little Thing, ils font des tenues qui font mi-pyjama, mais pas que. En fait, c'est le genre de tenue, le genre de pyjama, même si tu reçois du monde ou t'as quelqu'un qui tape à la porte ou tu dois aller chercher ton courrier. Ça fait quand même habillé, en fait. Ça fait pas pyjama négligé, même si je ne juge pas les pyjamas négligés parce que j'adore ça. Franchement, hyper confortable. Il est tout doux. Il s'étend, il se détend, il s'étire à l'infini et il est super confortable. Donc, et il est chaud en plus, c'est une petite maille, mais qui est quand même assez fine. Donc vous pouvez, si vous avez un petit peu froid, mettre quelque chose par-dessus. S'il fait un peu chaud, le laisser comme ça. Et j'adore, ils en font tellement, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est toujours hyper joli, avec toujours un effet taille haute. Personnellement, c'est ce que je préfère. J'aime pas quand c'est taille basse, je me sens pas à l'aise. J'adore les tailles hautes, donc... voilà, avec mes petites aidons. Les gars, je regardais le colis que j'ai reçu. Je suis trop heureuse. Vous pouvez pas comprendre. Franchement, quand vous l'aurez senti, vous comprendrez mon amour pour ce liquide vaisselle. Et j'avais un petit mot avec. Trop mignon. Bonjour Sana, ta belle-sœur a vraiment bon goût. Bon goût, ravie de faire partie de tes favoris du mois. L'équipe Mir te remercie et espère à bientôt. Franchement, si vous l'avez pas encore testé, ce liquide vaisselle... vous m'en direz des nouvelles, ils sont super bons. Et je sais. Ah, ils m'ont mis d'autres parfums, trop cool. Je connais pas du tout fleur de citronnier mimosa. Et du coup, je vois qu'il y en a un autre. Fleur de poirier concombre. Je vais sentir.